l'énergie qui est le gaz. Vous préparez avec, vous alimentez avec, vous chauffez avec. Ce qui n'est pas utile dans son ventre, il fait quoi aussi? C'est ici qui chie aussi. Voici sa fesse qui chie aussi. Et on appelle ça le digestat, engrais organique. Vous prenez ça encore, vous partez au champ. Vous donnez ça encore, les plantes prennent ça comme les nerfs. Ça pousse aussi bien. Et vous pratiquez encore, vous mangez hein? Encore. Vous venez encore, c'est un cycle. Vous avez compris, non? Ce qui est là pour étudier, c'est que ne mettez pas les déchets dedans. Voilà sa bouche, voici sa fesse. Voilà où on nourrit le biodigesteur. Quand on met là, la dégradation commence. Ça commence à produire le gaz. Ça commence à gonfler. Quand ça gonfle jusqu'à... C'est déjà arrivé au mature. Ça commence le bagarre dedans avec les déchets qui sont là pour l'espace parce que les vents sont fermés. Mais les entrées là, les sorties là sont ouvertes. Donc ici est aussi ouvert. C'est pour ça qu'on dit que ça, le biodigesteur ne peut jamais exploser. Et quand ça commence le bagarre dedans maintenant, ça pousse l'ancien, ça tue d'abord l'ancien déchet qui est déjà dégradé pour le gaz. Ça commence à pousser ça. Le digestat là, l'ancien déchet là, regarde où tout fuit. Quand il regarde la fesse, le caca, le ventre dit que la fosse, ça fuit pas ici. Et le gaz prend l'espace que ça a laissé dedans. Le gaz s'assoit maintenant bien. Donc quand tu vois le digestat où l'engrais commence à sortir, tu connais que il y a déjà beaucoup de gaz jusqu'à il y a la bagarre dedans. So, quand ça sort maintenant, si c'est 5 litres qui est sorti, ou 200 litres, ou 50 litres le jour là, allez utiliser le gaz d'abord. Parce que si vous mettez le